Le métier d'architecte est un métier qui est à cheval entre la création et la technique. La formation, c'est 6 ans d'études pour obtenir un diplôme d'architecte diplômé par le gouvernement. Ça donne un côté du métier, c'est-à-dire ça donne la structure mentale qui permet de comprendre le processus d'un projet. Et après, il y a beaucoup d'expériences qui se fait en chantier, qui se fait en agence, qui se fait sur le terrain. La journée type d'un architecte se déroule autour des projets qu'il mène, en fait. Donc s'il est en phase d'esquisse, ça se travaille autour d'une table et c'est là où on met les idées en place. Nous sommes en train de faire un débriefing du cahier des charges fourni par le maître d'ouvrage et concernant la construction de ce lycée. Et on essaye de trouver une relation entre la construction et la ville. On travaille d'abord un plan, une esquisse, on trouve l'idée. Par la suite, on réalise toujours des modèles qui nous aident à visualiser le volume. Aujourd'hui, on assiste ça par l'ordinateur, on arrive à des 3D assez réalistes. Et donc aujourd'hui, on est en train de travailler sur cette couleur grâce à des ingénieurs béton. Et après, il y a vraiment la réalité, c'est-à-dire travailler sur des maquettes grandes échelles comme les prototypes nous permettent de maîtriser complètement les détails qui seront mis en place par la suite. Les qualités demandées pour être un bon architecte, c'est tout d'abord une capacité d'observation aiguë, une capacité de synthèse, arriver à cibler le problème et y répondre d'une façon adéquate et intelligente. Et pour cela, une forte connaissance technique est demandée. En fait, connaître le marché, connaître les produits, connaître tout ce que la technologie nous offre. Ce qui me plaît le plus dans le métier d'architecte, c'est qu'il me donne la possibilité de toucher à toute sphère sociale et en faire tout le monde, de l'ouvrier jusqu'au client, la collectivité, les ingénieurs, les gens de l'équipe, et de pouvoir instaurer des niveaux de dialogue qui sont complètement différents. Les plus du marché d'architectes, personnellement, c'est déjà d'avoir la possibilité de voir se mettre en place et se construire les idées qu'au début naissent sur un papier. Il y a toujours des surprises dans l'espace, des choses qu'on n'a pas vues et qu'on découvre une fois que l'espace est réalisé. Comme une lumière qui passe entre midi et midi et quart d'une fenêtre qu'on n'avait pas calculée et qui donne un reflet sur une paroi, qui donne une émotion, qui donne une poésie à l'espace. Les moins, c'est sûrement le rapport entre le travail fourni et la rémunération. Et parallèlement, le temps pour voir se mettre en place quelque chose est très très long. Un projet prend en moyenne entre 3 et 6 ans.